Et toi, monsieur, qui est toujours là en train de regarder, oh, la femme là, oh, il ne s'occupe pas bien de sa femme. Toi, tu joues avec la femme. Toi, tu connais la femme. Toi, tu connais la femme. La femme, c'est un être. Elle te demande l'huile d'olive. Tu lui donnes l'huile d'olive. Elle te dit, est-ce que moi, je t'avais demandé l'huile d'olive? Elle a demandé l'huile d'olive, hein? Mais quand tu vas lui donner, ou si tu trouves une femme peut-être de catégorie un peu plus évoluée, alors elle va regarder l'huile d'olive et dire, est-ce que je t'avais demandé terra? Je t'ai demandé huile d'olive Jimima. Mais quand elle t'avait demandé, elle n'avait pas précisé. La femme est quelqu'un de versatile. Toi, tu crois que c'est facile qu'un homme s'occupe d'une femme? C'est pas évident. C'est pourquoi tu vois certains hommes, ils n'étaient pas chauves, mais ils deviennent chauves. Parce qu'il est dépassé par les événements. Dépassé. Quand tu regardes dans sa famille, tout le monde a des cheveux sauf lui. Le problème, c'est que la femme qu'il a épousée a enlevé tous les cheveux. C'est fini. Toi, tu blagues. Ça a enlevé tous les cheveux. Toi, tu es là, oh non. Un autre, il a les cheveux, mais c'est devenu gris. C'est devenu blanc, vite. Oh non, il faut mettre, je ne sais pas, les colorants. Mon frère, même s'il met le colorant, ça va les rattraper. Dépassé par la femme. Hmm? La femme qui dit qu'elle est fâchée contre son homme parce qu'ils ont des problèmes, elle boude un peu, elle fait des caprices, elle est dans son coin. Et le gars qui dit, ok, elle reste un peu dans son coin, alors on reste comme ça. Et c'est la même qui viendra. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Elle commence à pleurer. Alors que celle qui avait commencé à bouder, c'est qui? C'est elle. Comment veux-tu que ce soit facile de s'occuper d'une femme? Mais toi, tu es là toujours célibataire de ton état. Tu n'as même pas une chaussette. Mais tu juges comment l'homme d'autrui s'occupe de sa femme. Sois délivré. Concentre-toi sur ta vie. Prie et prie encore. Daniel 10, 12, et on s'arrête par là. Daniel 10, 12. Il y a quelque chose d'intéressant aussi là-bas. L'ange dit à Daniel. Daniel est en train de reprendre ce que l'ange a dit. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Que quelqu'un dise, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Quelle déclaration puissante. Celui qui a entendu la lecture, que cette personne m'explique. Quand est-ce que Dieu avait entendu les paroles de Daniel? Dès le premier jour. Donc dès le premier jour où Daniel se met à genoux pour prier pour le dossier, Dieu a entendu. Mais dans d'autres versions, on dit, tu as été exaucé. Dès le premier jour. Lorsque vous priez avec la foi et persévérance, vous n'êtes pas exaucé le jour de la manifestation du miracle. Vous êtes exaucé dès le premier jour. Si seulement tu pouvais le comprendre, tu allais prier tout le temps. Dès le premier jour, Dieu t'a exaucé. Mais la manifestation du miracle est une question de temps. J'explique. Lionel, venez. Enoch, venez. Regardez ce qui s'est passé. On reste avec les femmes. Venez de ce côté. Et Enoch, restez ici. Je reste avec l'exemple des femmes. Ça, ce sont les femmes qui doivent aller à la tombe. Poussez-vous un peu. Les femmes ont pris les aromates. Et elles se sont dit, on va à la tombe. La Bible nous a dit qu'il était vers quelle heure? Très tôt le matin. Mais quand vous lisez aussi la parole de Dieu, la parole nous révèle que Jésus est sorti de la tombe avant même que les femmes ne s'élèvent. Il est sorti bientôt. Donc la pierre était roulée avant que les femmes ne s'élèvent. Mais les femmes ont décidé avec les aromates d'aller vers la tombe. La tombe était déjà... Très bien, tu suis très bien. Je sais, tu es intelligent. La tombe était déjà vide. Alors quand les femmes s'inquiètent pour la pierre, elle était déjà roulée. Mais les femmes ont eu la connaissance lorsqu'elles sont... Entre les femmes et la tombe, il y a une distance. Et cette distance doit subir l'influence du temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je préfère rester seulement dans cette histoire pour ne pas t'embrouiller. Je reste seulement là. Ça veut dire quelque chose qui se passait en un instant. Mais quitter la maison de Marie de Magdala, aller à la tombe, il fallait. Si elle avait quitté à 8 heures juste, elle arrive ici, il est 8 heures. Est-ce que la tombe a été, la pierre a été roulée à 8h30? La pierre a été roulée à 8 heures juste? Elle a été roulée bien avant. Mais jusque-là, Marie ne sait pas. Quand elle arrive ici, il est peut-être 9h.
Elle n'a pas encore vu la tombe, mais la pierre a déjà. Quand elle arrive ici, il est 10 heures. Elle constate que la pierre a été roulée. Marie va dire, la pierre a été roulée à 10 heures. Non, elle n'a pas été roulée à 10 heures. Elle s'est manifestée à toi à 10 heures. Le temps. Entre l'endroit et la destination, il y a un temps. Il y a un temps. Le jour où tu as prié, tu as été exaucé. Mais la manifestation est obligée de subir l'influence du temps. Même quand nous marchons, il y a l'influence du temps. Quitter là-bas jusqu'ici, ce n'est pas la même minute. Il y a l'influence du temps. Et donc quand tu pries pour une situation avec persévérance, le jour où même tu as commencé, Dieu a ouvert. La pierre a été roulée. Le problème a été réglé. Est-ce que quelqu'un comprend que son problème a été réglé? La chose a été réglée. Et le problème que tu as oublié là, je disais on va remettre ça sur table, on va finir avec. Dès que tu te mettras à prier, la pierre sera roulée. Toi tu vas t'inquiéter pour dire ce problème. Non, le problème a déjà été terminé. Jésus s'est occupé de la pierre. Toi occupe-toi de la prière, Jésus s'occupe de la pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Faut pas chacun son travail, dis à un autre chacun son travail. Dis à quelqu'un qui a la foi chacun son travail. Il ne faut pas s'embrouiller, mon frère, chacun son travail. Tu vois ça? Tu vois là, comme tu es assis là, où tu es assise, je ne vais pas te donner le micro pour venir ici. Je te donne le micro pour venir ici, tu vas nous rencontrer les histoires et les fables. Mais voilà, chacun son travail. Toi, tu es assis, tu m'écoutes, moi je parle et toi, tu t'élèves dans la foi. Chacun son travail. Ce n'est pas à Pierre de marcher sur les eaux. Il ne pouvait que s'enfoncer. Il ne pouvait que s'enfoncer. Oh non, il avait eu peur. Maman, même s'il n'avait pas eu peur. Dans l'ancienne alliance, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Dans la nouvelle alliance, nous marchons maintenant sur les eaux. Et donc je dis à quelqu'un, c'est une affaire de temps. Est-ce que tu avais prié avec persévérance autrefois? Si tu me dis oui, c'est une affaire de temps. La manifestation arrive, mais la chose a déjà été terminée. Dis à un frère, la pierre a déjà été roulée. C'est une déclaration prophétique. Dis à un autre, la pierre a déjà été roulée. Elle a déjà été roulée. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils viennent chez moi pour la prière, le Seigneur me dit, ah, ne prie pas. Dis-lui seulement de rendre grâce à Dieu, j'ai déjà fini ça. Et je dis, non, Dieu a déjà fini, rends seulement des actions de grâce, donne des actions de grâce en ordre et en désordre. Dieu a déjà fait, la pierre a déjà été roulée. Mais le temps de voir que ça a été roulé, il faut un peu courir. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, cours. Cours selon ta vitesse. Ne regarde pas à gauche. Cours dans la foi, cours. Dans la prière, cours. C'est une sorcellerie que de courir au rythme de quelqu'un. Non, même les frères Enoch d'ailleurs, il a péché, alors moi. Ah bon? Toi, tu es de quel niveau? Où est-ce que tu t'aimais? Donc, quand tu dis ça même, on comprend même comment, combien tu ne t'estimes pas. Donc, toi, tu es là, tu dis, ah, même lui d'ailleurs, il a péché. Même lui, ses vidéos sont sur YouTube. Alors nous autres,